À Calais, le dragon est à l'honneur. Ce week-end, vous allez pouvoir profiter de sa veillée bleue sur le front de mer ce samedi soir. Au programme, des jongleries lumineuses, des contes, des fanfares et bien sûr cette œuvre artistique, mécanique qui vaut vraiment le coup d'œil. Bref, une sortie familiale. Donc, ça débute à 16h48 ce samedi puisque c'est l'heure du coucher du soleil. Dernier week-end avant les fêtes, vous allez encore pouvoir profiter des marchés de Noël dans toutes les villes de la région avec des petits nouveaux, notamment celui de Tourcoing qui ouvre ses portes ce week-end à partir de ce samedi, le marché de Noël de Tourcoing sur la Grand Place, des artisans évidemment, des animations, pistes de luge, labyrinthe et spectacle. Autre nouveauté à Lille, la patinoire du Palais de la Bourse, une patinoire dans un lieu vraiment magnifique avec tout autour un marché de Noël également. Donc c'est à partir de ce samedi et c'est jusqu'à la fin de l'année. Et puis en ce début des vacances scolaires, pendant 2 semaines, le Louvre-Lens vous accueil pour vous proposer des animations et des activités à faire en famille. L'occasion aussi, pourquoi pas, de découvrir ou redécouvrir la Galerie du Temps et l'exposition temporaire autour de la Pologne. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine!